La production biologique est importante pour moi parce qu'avec le bio, j'ai beaucoup d'avantages. Au niveau de la production, je conserve toujours mon terrain en bonne et due forme parce que je ne mets plus encore les produits chimiques dans mon champ. Je suis en train de. Moi aussi, je suis en forme maintenant parce que j'ai pris le bio, donc je ne sens plus encore beaucoup de malaise dans mon corps. Parce qu'avec le produit chimique, je me sentais un peu malade. De temps en temps, c'est aller à l'hôpital avec les produits chimiques. Maintenant, je me sens très bien. C'est le premier avantage de la production bio. Il y a aussi les enfants qui sont à l'aise, qui ne vont plus au champ. Les enfants moins de 18 ans qui ne viennent plus encore ramasser les noix ensemble avec nous, qui mettaient de n'importe quoi dans nos sacs. Pour avoir la bonne qualité des noix bio, il y a les sacs de jute qu'on utilise. Après avoir fait la récolte, on fait le séchage tout, on met dans les sacs de jute où l'air rentre bien et nos noix sont des noix de bonne qualité. Il n'y a plus de pourriture dans nos noix. Au niveau de la vente, tout le monde est fier parce qu'on vend à un bon prix, à un meilleur prix où nous, les producteurs, nous aimons toujours avoir de prix. Et après, dans cette vente-là, il y a les primes individuelles qui sont là, qui nous soulagent toujours. Parce qu'avec le conventionnel, si les gens vont à 300 francs, le bio vient à 315 ou à 345 francs. Les 45 francs, c'est comme les primes individuelles. À part ça, au niveau de la commune, il y a les primes qui viennent, qui nous aident aussi à faire plusieurs choses dans la commune. Il y a des réalisations qu'on est en train de faire dans la commune. Par exemple, il y a les tricites qui est acheté par la prime qui est distribuée aux producteurs. Les bascules qui étaient aussi achetées et distribuées aux producteurs. Maintenant, l'initiative avec les primes, c'est de payer les fournitures scolaires pour donner aux enfants des producteurs bio de la commune. En plus, il y a les latrines qui ont prévu dans les CVPA qui produit des noix cajou bio dans la commune de Kouandé. Donc nous, les producteurs bio, nous sommes fiers du Nacera en appui du Bénin cajou. On demande à tous les producteurs d'Anakad de s'intégrer dans le bio pour avoir aussi les avantages de bio.